l'enregistrement et on part sur Pilates renforcement, ça vous va? Parfait. Hop, on met la musique. Vous me dites... Allez, on chauffe donc Pilates, renforcement musculaire de tout le corps. On va gainer. Ça risque de chauffer, ça va trembler. On a en avoir pour votre semaine. Allez, on tourne bien les poignets, les doigts. Et t'as pas Juliette avec toi aujourd'hui, Pascal? Elle est rentrée tard de Copenhague hier soir et elle dort. Elle était à Copenhague? Oui! Elle est allée passer le week-end chez son amie qui est en Erasmus à Copenhague. Toute seule comme une grande, elle a fait sa réservation et tout. Ah ouais? Et alors, tu l'as vu ou pas du tout? Oui, oui, je l'ai vu, je suis allée la chercher à Charles de Gaulle hier. D'accord. Ah, tu t'es arrivée à 22h30, donc je n'allais pas la laisser rentrer en RER. Ouais. Bah, surtout de Charles de Gaulle, il y a quand même un coup. Ah bah oui. Allez, on monte. Allez, chauffez bien les épaules. Donc, Pilates, on va se plier dans le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, la cage thoracique, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et dans l'autre sens. Allez, on touche bien les omoplates, on bouge bien les articulations, on mobilise tout le corps. Voilà. Et on tourne. On inspire. On tourne. Il n'y a que la tête qui bouge, hein. Allez, la hanche.
Et ici, on vient. Là, on va chauffer là, les hanches en descendant. Semi-squat. Et un peu les genoux. Ici, on descend dos droit. On met les mains sur les genoux et on tourne. Rétroversion du bassin, on gagne bien les lombaires, pieds bien en ouverture bassin, on inspire bien haut, ah, Jess qui nous rejoint, on touche, on creuse, bonjour Jess, pense à te chauffer un petit peu les articulations, on part sur un renforcement et on descend. Pilates, renforcement musculaire. On vient ménage. On pose les genoux. Et on bascule en position assise. Avec des pieds. On ancre bien les pieds. Dans le tapis. Position angle droit. Toujours bassin rétroversé. Les abdos serrés. On inspire bien loin, là, les bras loin du ventre, le fil là, qui tire vers le sommet. Et on descend, vertèbre par vertèbre. On rentre le ventre autour. Tapis au sol. Non, c'est ce que je ne vois plus. Hop là. Hop là. On va faire des roulés de boulet aujourd'hui. Vous rapprochez un peu les pieds, bien ancrés dans le tapis. Vous vérifiez la rétroversion du bassin, les lombaires bien ancrés dans le sol. Une main sur le ventre si vous le souhaitez, sinon de chaque côté. Ou vous pouvez aussi mettre les mains sur les côtes flottantes pour bien sentir l'ouverture à l'inspiration. Allez, on remplit d'air la cage thoracique en commençant par le ventre, les côtes flottantes, les poumons et si les épaules sont basses, elles vont s'imprimer dans le tapis. On remplit bien juste en haut, on bloque et on souffle. On vide les poumons. Et si les côtes flottantes se resserrent, on rentre le ventre. On va aller accrocher le nombril à la colonne vertébrale. On vérifie que vos lombaires sont bien imprimés dans le tapis. On contracte à fond toute la sangle abdominale. Alors. C'est dernier.
Allez, les filles, on rattrape. On inspire. Allez, on fait trois fois à fond, ou quatre fois même. On souffle, on creuse, on vérifie que les couverts sont bien ancrés. Et on repart. Vous sentez bien vos abdominaux. Donc on toujours l'inspiration par le nez, souffle par la bouche. Allez, on monte la jambe droite, angle droit, sans décoller les lombaires. La jambe gauche qui rejoint la jambe droite. Et là, on va partir. On tend les pieds. Et si on contracte les grands, les abdos, là, pose la pointe de pied, attention, on laisse les lombaires ancrés, on pose les talons et on revient droite, gauche, en haut. Vous sentiez vraiment la contraction forte au niveau de la sangle abdominale, toujours avec le bassin rétroversé, lombaire dans le tapis, on gaine à fond. Allez, on est parti, on lève droite, on lève gauche, on inspire. On tend les deux jambes, on souffle, on pose le ventre, toujours lombaire incliné, pointe de pied, talon, on souffle, on inspire, on remonte droite, gauche, on tend, on souffle, on creuse, on descend, voilà, et on pose la main. Ça va chauffer, hein, je vous le dis. Si c'est trop difficile pour vous, vous rapprochez les pointes de pied du fessier. Plus vous aurez les points loin, plus ça va travailler les abdos. Et attention, les lombaires doivent toujours être inclinés dans le tapis. On souffle en creusant le ventre et en descendant. Pointes de pied, talons. Fini de souffler, on vérifie qu'on est bien ancré. On inspire, on remonte, droite, gauche. On finit d'inspirer, jambes tendues. On souffle, on creuse, lombaire incliné, on pose les talons. Ça va trembler, hein, moi je le sens déjà. Allez, on en fait encore. Je vais faire chauffer les retardataires. Oula! Il y a quelqu'un qui a une double connexion avec vos parents. Allez, on doit être au moins à 8. On en refait un. Ici, vous m'en refaites. Respiration complète. On revient. On crée le lombaire. Attention, on va faire autre chose, mais toujours dans le même principe. Ici, on va venir par du tapis. Si vous sentez que les lombaires décollent, vous pouvez mettre les mains sous le fessier pour accentuer la rétroversion. Ça, c'est selon votre niveau d'abdos. Je vous montre avec les mains sous le fessier. Ici, on inspire, donc on gonfle le ventre. Sans décoller les lombaires, on tend. Et ici, on souffle, on pose d'abord les talons et après. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle, on tend.
sont toujours creuses au creux des talons et des pieds. Creusez toujours les lombaires rentrées dans sa vie et le ventre creux. On inspire au dents. On souffle au pouce, talons, voilà, toujours en respiration. On inspire au dents. On souffle, talons, voilà. On inspire au dents. Talons, on inspire en temps, talons, pointe, on inspire en temps, talons, pointe, dernier, inspire en temps, talons, pointe. Si on part en bascule inverse, on laisse les talons entrer dans sa pied. On inspire, on monte. Essayez de contracter, puisse contracter. On gonfle la partie ventrale, on ouvre les côtes flottantes, les épaules dans le tapis. On souffle, on redescend, on peut départ vers tête, on vient plus dans la colonne, les lombaires dans le tapis. On souffle. Et on monte. On inspire. On souffle. Allez, je vais monter parce que sinon je vous en fais faire, je sais pas combien. On inspire. 3. On inspire. Vous contractez bien ici, hein. On inspire. On inspire. Bien. On inspire. Faire le 8. Vous tendez la jambe gauche, vous laissez la jambe droite à angle droit. Alors là, c'est pareil, ça va chauffer au niveau des abdominaux et là, notamment au niveau des obliques. Je vais vous demander d'inspirer les bras levés, lombaires dans le tapis et de souffler. Ah, bah alors qu'est-ce qu'il y a à faire ? En remontant, si on inspire, on a ce fil là qui nous dresse et on redescend. Donc une seule jambe tendue, une jambe fléchie. Plus la jambe fléchie est loin, plus c'est difficile. Plus la jambe fléchie est près, plus c'est facile. D'accord. Allez, attention de bien avoir les lombaires dans le tapis. On inspire. Et. Oh, ça me manque pas du tout. On creuse. On inspire. Le sommet du crâne tiré par les ficelles. On souffle, on creuse, on descend. On inspire. On inspire, on souffle, on redescend. On inspire. On. Je ne sais pas combien on a fait, 5 peut-être. On souffle, on redescend. On inspire. On inspire, on souffle, on redescend. On inspire.
Pensez à bien creuser le ventre quand vous remontez, hein. Pareil quand vous descendez. On inspire. 7 et on fait le dernier. On inspire. 8. On inspire, on retrouve son redescend. La jambe est fléchie, vous allez tourner sur le côté, sur l'épaule, pas sur le cou. Ici, on vient poser la main à plat, le coude sur l'épaule, on est gainé, on vient soit sur le genou, soit sur les deux pieds tendus, parce que vous allez choisir selon les abdos, n'est-ce pas? On vient ici se mettre en position de gainage et je veux qu'on pousse sur la main, sur le souffle pour creuser la sangle abdominale et lever les hanches vers le haut. On reste gainé en haut, on inspire, on souffle là-haut. Alors moi ici c'est mon coude, pas de problème. Allez, on se met en position de gainage et on est parti pour 8 fois. On souffle, on tend le bras le plus haut possible ici, sur la paume de main, on lève le fessier. On inspire, on revient en gainage. 1. 2. 3. Aucun risque. On inspire. On souffle. 4. 5.
Ah bon? Zut alors. Allez, on tend bien les jambes, on vient sur le genou pour ce que tu peux faire. On monte. Un. Ici, épaule basse, attention. Hein. Gardez bien votre colonne bien droite. Gainez bien. Allez, on est parti. On inspire ici. On souffle, on lève. On inspire. Deux. Trois. Et c'est là que peut-être ça va se compliquer pour certains.
Ici, on a les bras qui vont être tendus et plus poussés sur les doigts. Les pieds qui vont être tendus. On inspire au sol. Languinant. On contracte si on a besoin. On pousse avec la main. Et ici, on revient dans le sens inverse. Après, on contracte en dessous. Pieds levés, bras tendus vers les pieds. Tu t'en mets un peu, donc il faut changer de musique parce que on n'est pas dans une étoile. Soin. Et les balles deviennent. Regardez, on va danser. C'est ce bon Strauss. Ah. Allez, on inspire, on contracte en dessous, on lève les pieds, les jambes, les bras, et hop, on fait dans le sens inverse, et on souffle ici, on contrôle, et on se redresse. Et on revient. Attention, quand vous êtes sur le dos, les lombaires sont dans le tapis. Hein. Allez, dernier. On repart. Oh, c'est crevant ton truc. Ouais, ça donne chaud. Là. Je peux te dire que c'est les costauds pour la sangle abdominale. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, on est dans cette position. On ramène les mains sur les épaules. On se remet sur les genoux. On les met. Et on revient. Position. Quatre pattes. Plein de pieds dans le tapis. On inspire le tapis et on souffle, on lève les genoux, on contracte et on repart. 8 respirations. Allez Pascal, tu vas y aller. C'est moins dur que tout à l'heure. C'est le niveau de la mer qui monte. Oui,
C'est pour prévenir qu'il faut partir de la plage. Ah. Allez, on se met sur le côté gauche de ton tapis. On reprend la position. On inspire le tapis. On souffle, on gaine. Bras tendu, pied tendu. Et hop, on bascule sur le dos, côté, sur le côté droit. Et on revient ici. C'est l'autre côté. Ouais, c'est l'autre. Ah, c'est nous les belles jaloux. Ah oui. Toujours travailler les obliques. C'est bizarre ce bruit quand même. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert qui fait ce bruit là? C'est sûrement Daniel, il connecté deux fois. C'est comme si vous aviez connecté deux fois, oui. Et dernier. C'est bizarre ce bruit. C'est du monde avec le recoupé. Bon, je sais pas. Non, il y a Dani. Dani, elle est coupée que un côté, pas les deux. Oui, Dani, elle a son micro allumé. Ah! Parce qu'elle est connectée deux fois. Voilà. Merci Angèle. Allez, on revient donc ici. On met les mains sous les épaules. On revient sur les genoux. Et on touche en se redressant. Et on vient étirer le dos. Les quatre pattes, cette fois on vient approcher les genoux un peu plus, c'est-à-dire ils sont vraiment à l'intérieur des hanches. Donc, fléchis les pointes de pied dans le tapis. Marianne, peut-être pourras-tu mettre un coussin sous le genou dans la pliure contre l'exercice. Donc, une fois que vous avez plié les genoux ici, et vous asseoir, vous dresser. On a toujours ce fil là qui tire le sommet du bras, on a le dos bien droit, toujours le bassin rétrogressé pour bien aider la sangle abdominale, lombaire. Et là, on va encore travailler les jambes, on va bien travailler les jambes. Ici, je vous montre. On inspire en montant et on souffle en descendant comme une planche vers les talons. On inspire ici. Alors, celui-là, il est facile. Donc, je vais vous l'accentuer un petit peu. On vient inspirer les bras devant et souffler les mains vers le plafond. Et ici, on inspire à nouveau. Ça reste contracté. Les mollets, les cuisses, les fessiers, la rétroversion du bassin, on rentre bien le ventre. Allez, on inspire, loin devant. On souffle, relevez, loin derrière. Ça doit chauffer là, hein. On inspire, on relève, on souffle. On inspire, bras loin devant. On souffle, bien derrière. On inspire, on inspire,
dernier. On relevait les dessus de pied à plat. Glissement, face à la ceinture abdominale sur les cuisses. Posez le front sur le tapis. Mettez les bras de chaque côté des jambes et faire trois respirations. Mets les mains de chaque côté des genoux. On bascule. Dans les jambes, l'index, ils sont à la contraction dans les mollets, les jambes gainées, bassin rétroversé, toujours dos droit. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin en brique, vous mettez sous le fessier. Les mains à plat de chaque côté des hanches. Si vous mettez sur une brique, c'est un peu plus difficile. La Pascale, elle a compris ce qu'on allait faire. On inspire, bien droit, on pose les pieds à plat, mets les genoux au-dessus des talons, on souffle, on lève le fessier, on contracte, mollet, cuisse, fessier, abdos, lombaires, bras, épaules, poignets. On inspire, on revient mettre les jambes tendues du pied flex entre les mains qui sont, n'ont pas bougé du tapis. Allez, faites des belles tables. Inspirez en revenant. On inspire au sol. Mettez bien les pieds flex sur toi pour bien tendre les jambes. Que les muscles fessiers, les cuisses travaillent bien. Un peu, allez jusqu'à trembler si vous êtes vraiment contracté. On inspire, on gainage. On souffle, chien tête en bas. On inspire. On souffle. Ceux qui n'arrivent pas à s'en poser les genoux, posez les genoux. Vous
toujours la position gainage pour la respiration, pour l'inspiration. Toujours par le nez. Alors, je sais pas combien on est. Et on gainage, on pose les genoux et on tire, baisser vers les talons. On va venir ici étirer le haut du dos et après on étirera les jambes. Donc vous amenez, vous mettez bien les mains au-dessus des épaules. Basculez la main gauche sous le coude droit, le coude au tapis, l'épaule au tapis, on lève le coude là, et on pousse les fessiers vers les talons, le coude vers le sommet du front. Et vous faites 3 de respiration. L'oreille et le côté de la tête posé au tapis avec l'épaule gauche. Quatrième inspiration, on se met à 4 pattes et on descend de l'autre côté. Main droite, droit, épaule droite, oreille droite et on pousse gauche, fessier vers les talons. On se relève, on vient monter le genou entre les poignets. Monte le genou, il faut commencer par le talon dans la droite. On tend bien la jambe arrière et ici on vient écraser la cingale de la cuisse en allant étirer les bras. Et vous pouvez sentir l'étirement dans la cuisse, dans la hanche, jusqu'au narcissique, la pointe des lombaires. Et 3 inspirations fortes. Vous ramenez les mains sur les épaules. Vous vous redressez. Et puis le bras, la jambe droite. On attrape avec le bras droit, avec le bras gauche aussi si vous y arrivez. Ici, le but c'est d'ouvrir la cage thoracique pour étirer l'intérieur de la hanche et la cuisse. On pose le pied, on pose la main sur l'épaule et on change de côté. On ramène les mains de l'autre côté. On fléchit le genou gauche, on n'a pas. Et on ouvre bien la cage thoracique. On ramène l'arrière. On pointe le pied dans le tapis. On ramène les mains au niveau des genoux. On
bascule sur les pieds à plat. Mets les mains le long des coudes de pied. Et on bascule tête en avant. Et la pince le plus longtemps possible. De respiration, on fléchit une jambe, tire au maximum l'autre. De côté, maintenant, on pose au centre. Les épaules, on vient mettre les mains au-dessus des genoux, on fléchit les genoux et on écoute. Et on s'étire loin vers le ciel. On va basculer droite, gauche. Alors le plafond, je vous oublie de pied, on lâche tout. Et on remonte doucement. Et bravo les filles. Merci Christine. Merci.